passe le péage de Saint-Arnoult. On va prendre le petit ticket. Avec François aux commandes. Voilà, on quitte la région parisienne, on a passé Saint-Arnoult. Bonjour à tous et bienvenue sur Test & Driving, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un jour super pour moi parce qu'en fait pour la première fois je vais participer à un rallye raid. Je vais participer au 205 trophées organisé par ProRaid. C'est le rallye du Maroc en fait et c'est une action humanitaire où on va porter du matériel pour les écoles et les enfants. Et j'ai pu obtenir cette grande chance de participer grâce à en fait François qui est propriétaire d'une 205 hein, comme l'indique le nom du rallye. On court avec des 205 et cette 205 c'est cette voiture qui comporte le numéro 275. Alors là on a fait une petite pause sur l'autoroute, on est parti depuis 9h de Paris ce matin, on est à 100 km de Bordeaux et la voiture a très très bien roulé et puis là on fait quelques vérifs et puis on a fait une petite pause déjeuner, donc ça se passe plutôt bien. Ça fait bizarre de remonter dans une voiture des années 80 hein. C'est assez bruyant, elle est très sonore, elle est complètement vidée, je vais vous la présenter après. Et surtout, c'est François qui va nous la montrer. Salut François. Bonjour. Tu peux nous présenter ta 205, tu peux nous dire ce que c'est? Oui, on a une consoeur qui arrive. Bonjour. C'est une 205 de base, c'est une 205 rallye. Et dessus, on a un moteur 1100 avec un carburateur de 205 1300 XS et un arbre à cam de rallye. D'accord. Avec une boîte courte de rallye. D'accord. Donc on roule depuis tout à l'heure à 130 km/h sur l'autoroute, donc ça roule pas trop mal comme je le disais. La voiture est plutôt confortable, elle est sonore, on a 90 décibels à l'intérieur, donc c'est assez bruyant, on a les oreilles qui bourdonnent quand on s'arrête. Donc je vais faire une présentation de la voiture en général. Donc le moteur, tu viens nous la présenter. Au niveau de l'habitacle, on a des sièges baquets avec des harnais qui nous serviront sur le raid. Ici on a les compteurs kilométriques pour les étapes d'orientation, on en a deux au cas où il y en a un qui tombe en panne. Là on a un GPS qu'on n'a pas activé pour le moment. Ensuite pour le reste, c'est plein de petites modifs, c'est adapté. Alors cette voiture elle a un petit peu souffert parce que c'est son quatrième rallye je crois. Alors on a ici le contrôleur de pression pour les pneumatiques. Alors, on le déverrouille ici comme ça, hop là, l'installation personnelle. Qui permet de gonfler, de contrôler la pression des pneus, parce que dans le désert, on a besoin de gonfler les pneus en permanence et de gonfler pour éviter de se planter. Donc on l'a mis ici, il est très très bien. Voilà. On a les roues de secours sur le toit, c'est très important. Et la voiture, elle est chaussée de pneus de camionnette, parce que ce sont des pneus beaucoup plus résistants et qui résistent mieux aux coupures. Ici, on a le filtre à air extérieur, qui permet de prendre de l'air un petit peu plus propre. Tout ça c'est relié au niveau du moteur. On a une voiture très sympathique à conduire hein, malgré son âge et ce qu'elle a vécu sur plusieurs rallye raid. Et puis là je suis très fier d'arborer mon prénom. Et puis dans le coffre on a tout notre petit barda. Parce qu'en fait on va faire 11 étapes dans le désert en 2700 km. Sur 11 jours, donc il faut vraiment du matériel, mais on peut pas en emmener trop non plus. Donc voilà, on est bien équipé avec des petites astuces. Et comme là, on a un bidon d'eau avec un robinet sur le bas. Et quand on ouvre, ça sort dehors et on peut mettre une bassine et récupérer de l'eau pour pouvoir laver la vaisselle, faire des choses. Donc voilà. Alors vous voyez, on est sur la route et comme par chance, on a retrouvé les concurrents du 205 trophée qui nous auront joints avec une 205. 4 portes version diesel, Solène et Clémence. Ils sont l'équipage 257. Et on va reprendre la route ensemble jusqu'à Bidart.
Bon alors, on est arrivé à Bordeaux et on a un petit problème technique. On a un souci de courroie. C'est pas très grave, on va repartir, mais bon, c'est un petit peu inquiétant. François est en train d'œuvrer. Ça fait partie du rallye, mais bon, c'est comme ça. Et on a retrouvé des camarades sur la route qui sont en train de nous aider à nous dépanner. Ils viennent de ravitailler, ils font le plein. L'équipage 247. Comment ça se présente, François? J'ai des tordus, on va essayer. Je ne crois pas trop, mais on va essayer. J'y crois. J'y crois pas trop. Moi, j'y crois. Sois optimiste. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien. Écoutez, nous, ça va beaucoup moins bien parce qu'on est très très inquiet parce qu'on a appris que notre moteur allait casser. Donc on est encore à Bidart, on s'apprêtait à partir pour l'Espagne, mais bah, c'est pas possible. Donc là, on est dans une casse et on cherche activement un moteur. Et si c'est le cas, bah, on va le changer sur le bord de la route. Donc c'est bien l'aventure, hein, on est au taquet là-dessus. Et du coup, bah, on attend qu'on nous livre un moteur, on va voir ça. Après, donc là, on croise les doigts pour pouvoir continuer l'aventure. Comment c'est de ça, toi ? Un grand merci à Carreco Prieur. C'était racine, François. Oh putain, tu peux ranger la récule. Ça y est, ça tourne. Il est donc 14h30, on a commencé à 10h et on a un nouveau moteur dans la voiture. On est super content, c'est trop cool. On va pouvoir repartir et ça tourne. Là, grâce aux participants du 25 Trophée qui nous ont aidé, on a pu avancer rapidement. Merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe. Voilà, et ben on repart. Allez, ciao. Thank you.
à Tarifa, là on prend le bateau. Putain. Incroyable, une bonne essence. Dans 800 mètres, prendre à droite sur Calbatala del Salado. Là, c'est le dernier plein avant d'embarquer sur le bateau. Et là, on est trop contents. On est trop heureux. François se dégourdit les jambes parce qu'il a roulé 600, presque 600 bornes.